sauver celui-ci, j'essaierai de sauver tous les autres. Voilà la motivation qu'il avait. Donc ce n'était pas un homme à fuir ses responsabilités. Il n'a jamais fui ses responsabilités. Par conséquent, on doit se souvenir de ça. On doit se souvenir, voilà un homme qui a donné sa vie pour son pays. Il y en a peu qui l'ont fait. Tout le monde est à la recherche de gloire, de titre, de distinction. Comme il a toujours refusé tous les honneurs. Il a refusé tous les honneurs. Il a refusé toutes les décorations, toutes les distinctions. Il disait, je n'ai pas besoin de ça. Ce qu'il avait besoin, c'est d'être dans son cabinet, à l'hôpital. Et on peut se dire ça. Camille n'a jamais fait de distinction entre personne. Quel que soit celui qui arrivait, il était à son service. Il n'avait pas de cabinet particulier. Il n'avait pas de tarif pour les riches et pour les pauvres. Il était au service des enfants. L'enfant qui arrivait, il se penchait sur lui. Il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour lui. C'était ça cet homme-là. Et c'est cette image-là qu'il faut que nous diffusions aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Nous allons relancer l'association que nous avons créée à sa mort. Donc vous demandez d'adhérer, de diffuser, de recueillir des témoignages, de faire en sorte que sa mémoire soit vivante dans l'esprit des Guadeloupéens, dans la mémoire des Guadeloupéens. Parce qu'on ne peut pas se passer d'exemple comme celui-ci. Camille n'est pas un exemple de suicidé. Ce n'est pas un exemple pour les Guadeloupéens. C'est l'exemple d'un homme debout et combattant. C'est ça qu'il a laissé et c'est ça que nous devons garder en nous. Alors maintenant, je vais vous demander de faire un geste symbolique. Devant cette porte, de déposer la fleur que vous avez en main et de dire haut et fort, je réclame justice et vérité pour Camille Berchel. 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 Justice, vérité pour Camille. Justice et vérité pour le professeur Camille Berchel. Justice et vérité pour docteur Berchel. Justice et vérité pour le père Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour le professeur Berchel Camille. Justice et vérité pour professeur Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour le docteur Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour professeur Berchel. Justice et vérité pour le professeur Camille Berchel. Justice et vérité pour le professeur Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour le professeur Camille Berchel. Justice et vérité pour mon cousin Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour docteur Camille Berchel. Justice et vérité pour le professeur Camille Berchel. Justice et vérité pour docteur Berchel.
Justice et vérité pour Dr Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour Camille Berchel. Justice et vérité pour mon papa. Un grand médecin. Il était reconnu partout dans son travail. Et on est fiers aujourd'hui d'être là pour lui rendre hommage. C'était un homme bien. Et je suis fière d'être là avec vous aujourd'hui. On tire dans les maillots. Pas eu la chance de connaître ses petits-enfants, mais on parle de lui, on leur parle de lui, et on leur apprend à être fiers de lui, et ça, personne ne pourra nous enlever ça. Camille, nous t'oublierons jamais.